Ce matin, justement, à Lille, on vous retrouve en direct et en duplex sur place. Hugo Banalicis, bonjour. Vous êtes député à la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord. Merci d'avoir accepté l'invitation de CNews ce matin. Derrière vous, les bus qui partent en direction de Paris dans quelques minutes maintenant. Justement, question simple ce matin, pourquoi Paris aujourd'hui? Pourquoi y allez-vous? Eh ben, on y va pour manifester pour le retrait des ordonnances sur la loi travail, comme vous l'avez indiqué, mais pas seulement dans le coup d'état social. On y ajoute également, vous savez, ces 5 euros d'APL qui ont été retirés, et on nous annonce déjà 60 euros d'APL, la suppression des contrats aidés, la hausse de la CSG, enfin, tout ce que fait aujourd'hui le président Macron, qui est en réalité le président des riches. Et donc on appelle à une mobilisation citoyenne, une mobilisation pacifique, de sorte à donner aussi de la légitimité au mouvement de grève et au mouvement syndical qui se déroule la semaine. Hugo Banalicis, on l'a vu et on le voit sur les images, les 5 ordonnances ont été signées hier devant les caméras par Emmanuel Macron, publiées ce matin au Journal officiel. Que vous inspire cette image justement d'Emmanuel Macron devant les Français, devant les caméras hier? Je vois que depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il y a beaucoup de mise en scène. Alors en passant par la descente d'hélicoptère de manière élitreillée sur un sous-marin nucléaire jusqu'à la signature des ordonnances, tout ça donne à voir un président hyper puissant. Et nous, ce qu'on va lui rappeler, c'est que la démocratie, c'est aussi le droit de grève et surtout pour aujourd'hui, le droit de manifester. Et c'est pour ça qu'on sera plusieurs dizaines de milliers, j'espère bien plus encore, de Bastille à République aujourd'hui. Alors justement, vous savez que les chiffres, c'est crucial dans ces moments-là. Les derniers rassemblements ont mobilisé entre 100 000 et 130 000 personnes. Ce rassemblement de ce dimanche, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, il sera réussi à partir de combien de personnes dans les rues? Je ne sais pas, moi je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Dans tous les cas, quand même on serait 150 000, quand même on serait 200 000. Mais à partir du moment où je pense qu'on est au-delà de 80 000, 90 000, ce sera déjà un premier succès. L'important c'est qu'on soit nombreux et qu'on fasse corps tous ensemble pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Après, de ce qu'on voit du nombre de cars qui sont au départ ici de Lille, mais aussi d'autres régions, c'est que le niveau de mobilisation est au moins équivalent aux précédentes manifestations que vous indiquiez. Donc j'ai bon espoir, surtout qu'aujourd'hui il fait beau, c'est une belle journée, il va faire grand soleil, donc ça aidera d'autant plus à se mobiliser. Et on le suivra de près. Merci à vous d'avoir été avec nous et en direct depuis Lille. Merci aux équipes CNews qui vous accompagnent et bonne route donc jusqu'à Paris.